Hey, salut Loulou, c'est Gaminou pour le 17ème et dernier épisode de la race Pokémon Crystal pour Ivasam Studio. On arrive au terme de l'aventure, c'est l'ultime épisode, nous sommes à 9h14 de timer. L'objectif pour la ligue, ça va être d'être en dessous des 10h largement. Pour cela, je vous rappelle, notre équipe, portée par Netki, notre Nidoking, niveau 48. Il nous va falloir au moins ça, parce que c'est lui qui va se faire la grande majorité, avec point glace, séisme, point clair, queue de fer. En dessous, Léviator, Armand, avec quelques attaques, mais il va pas nous servir grand main. Franchement, je pense pas trop très oui. Meganium niveau 38 qui va sans doute pouvoir nous aider, même si j'avoue j'ai quelques réserves. Canisos qui lui je l'ai complètement abandonné, c'est tout simple. Et Gravalanche qu'on a capturé à la route victoire qui est niveau 40 pardon. Et qui lui va pouvoir tanker quelques attaques et voire faire des dégâts, on sait jamais. Et enfin Suicune niveau 41. Avec onde boréale, une attaque glace qui va peut-être nous être utile contre Peter. Je vous propose de nous rendre immédiatement, eh ben, face à notre destin, j'ai envie de dire. On avait fait le plein d'objets au dernier épisode, notre sac est blindé, on va pouvoir nous lancer. Et on va pas commencer avec Netkin, on va pas commencer avec notre champion, on va commencer avec notre cher Suicune. Suicune, Suicune, peu importe. Bienvenue à la Ligue Pokémon Game. Je me présente, mon nom est Clément. Je sais tout, j'ai tout vu. Mes Pokémon 6 sont trop forts. Conseil des 4 m'accueille en son sein. Normal quoi, je suis trop fort. Perdre, défaite, connais pas. Allez, on monte le son dans les oreilles, on va profiter de la musique. Clément du Conseil 4 envoie Xatu. Ce n'est pas une surprise, je connais à peu près ces Pokémon. Allez. Ok, peut-être pas. Et j'ai oublié de remettre les animations de combat. Oui ! Le fail de l'épisode ! Parce que oui, pendant l'entraînement dans l'ordre de victoire, j'avais enlevé les animations de combat pour gagner du temps. Le tryhard, mais je vais les remettre au prochain combat, c'est promis. Je suis désolé, j'ai complètement oublié. Allez, Suicune, on croit en toi. Une onde boréale, qu'est-ce que tu vas faire avec Xatu? Un midlife et c'est pas un coup critique. C'est pas mal. Allez, hyper potion. Comme j'ai dit, on a fait plein d'objets, on va pouvoir bourrer. Par contre, j'ai pas pris tant de guérison que ça, il me semble. Allez, le psycho qui ne fait rien. Enfin, qui nous fait moins d'un tiers. Suicune, toujours confus. Qui réussit son onde boréale. Et qui va venir achever Xatu. Qui gagne 1400 points, c'est pas mal, c'est honnête. Noix de coco, qu'est-ce que j'ai dit que je mettrais? Je me souviens plus. Bah, Netkin. Avec son point glace. Point glace qui nous avait été ultra utile contre Sandra, notamment. Est-ce que ça va faire le KO en un coup? Attention, oh là là, suspense. Eh oui, coup critique. Ah bah, on saura jamais si ça faisait un KO tout court. En tout cas, en coup critique, ça le fait. Pokémon suivant, Lipoutou, on va continuer. Alors là, il y a un risque. Pokémon de glace et psy, on va utiliser que de fer. Le risque, c'est qu'on rate. Genre comme ça. Et qui nous endorme. Genre comme ça. Allez, on a des total soins, on les utilise, ils sont là pour ça. Netkin qui se prend un violent coup critique. Non, c'est même pas un coup critique, oh mon dieu. On prie pour la queue de fer qui passe. Le KO. Sur du physique. Nice.
Ah, et Nedkin qui est déjà quasiment la moitié de sa barre d'XP pour le niveau 49. Et on se retrouve contre un Flagados. On va changer de Pokémon. On va aller sacrifier Canisos pour soigner Nedkin. Nedkin hein, qui va vraiment être la star de l'épisode. Alors là. Zach, l'hyper potion, elle est là. Et c'est bon. Donc Nedkin qui va être soigné. C'est très long à soigner par contre. J'espère vraiment qu'on va finir sous les 10 heures de jeu. Bon, Canisos, voilà. Excuse-moi, je t'avais promis un plus grand destin. Et à la réflexion, j'ai envoyé Meganium, parce que lui ne va pas craindre les attaques psy ou les attaques eau de Flagados. Même s'il prend quand même relativement cher. Allez, on va voir une tranchère, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des très bons dégâts en coup critique et je pense que là, le poison va peut-être achever Flagados. Attention. Et c'est le cas. Jeu simple. Clément va envoyer son dernier Xatu. Et là, on va envoyer... Allez, Nedkin. On va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être le combat le plus compliqué. Voilà, alors attention. L'onde folie qui va sans doute tout faire. Une potion max. Ah zut, j'aurais peut-être dû utiliser un total soin du coup. Et la folie. N'est plus confus. Ah, ça c'est parfait, la confusion qui a duré qu'un seul tour. Donc là, normalement, le Xatu, il devrait faire Psycho. Donc si on résiste, c'est gagné. Sauf s'il utilise encore une potion max derrière. On résiste à 33 PV. Et le point éclair qui passe. Et voilà, le premier combat est bouclé. Nedkin, presque niveau 49 déjà. C'est incroyable. J'ai peut-être perdu comme un criquet, mais je continuerai à combattre tant que je serai pas le plus grand. Game, continue ta route et découvre la force du Conseil 4. Allez, on s'en fiche. On cherche les rappels. Je ne sais plus où est-ce que je les ai mis. C'est génial. Ils sont là. On va soigner tout ça vite fait, bien fait. C'est pour ça que j'ai prévu beaucoup de... d'hyper potions. Je suis que au niveau 41. Allez hop, on soigne tout ça. C'est dingue, on perd du temps quand même sur la régénération des points de vie. Hein. On va pas balancer Canisos. Bon, j'aurais pu utiliser une super potion pour lui. Alors, prochain, c'est Aldo ou Koga, je ne me souviens plus. Et dans tous les cas, écoutez, ça va être. Bah, ça va être Suicune qui va. Ok, c'est Koga. Allez, on va commencer avec Suicune. Moi, c'est Koga du Conseil 4. Je suis un ninja, comme à la télé. Je saute, je lance des shurikens, je suis trop fort. Mais c'est pas tout. Tu vas voir ce que c'est la technique de maître. La force, c'est bien, mais le poison, le sommeil, la folie, c'est terrible. Et vous savez quoi? J'ai encore oublié de mettre les animations de combat. Putain, je suis vraiment un bolos. J'aurais peut-être prendre un post-it et me le marquer sur la tête. Allez, tornade, une attaque vol sur type insecte. Ça fait strictement rien, mais c'est génial. Pendant que Migalos utilise reflet. On va faire danse pluie. Ok, donc maintenant Suicune est obligé de finir ce combat. En ratant évidemment son attaque, la giga sensue, aïe, non ça va en fait. C'est vrai que Suicune il a une bonne défense spéciale, enfin elle est pas mauvaise du moins. Le surf qui rate deux fois alors qu'il n'y a eu qu'un seul reflet, ça par contre ça fait très très mal. Allez, on y croit, oui le petit coup critique évidemment. Allez Suicune, le surf là. C'est dingue ça, un seul reflet et puis ça, ouh.
Allez, ça touche avec la pluie, les dégâts que ça va faire, normalement, devraient être relativement monstrueux. C'est presque un one-shot. Je dis bien presque, la pluie s'est arrêtée, on va refaire surf, qui ne passe pas. Alors... Natkin, on compte sur toi. C'est bien. Natkin, tu es un bon, tu es un brave. T'es bientôt niveau 49. Aeromy, changer de Pokémon, oui, on va changer. On va mettre Gravalanche cette fois, vu que de toute façon on a plus de Suicune, donc comme ça c'est réglé. Niveau 41, attention. Alors ça se trouve, il a aussi Giga Sensu, j'ai fait Ampleur, je suis un abruti. Ultrason qui passe, alors qu'il y a que 50%. Mais l'ampleur qui passe par-dessus, et c'est une ampleur 10, ouh là 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 là. Les bonbons dégâts sur Aeromite, ce n'est toujours pas un KO. Allez, la roulade. La roulade qui passe, qui fait les dégâts et qui touche le Aeromite. Donc les 1200 points, on ne perd pas la vie. Forteress, oui, on va changer de Pokémon. Et on va mettre Natkin. Parce que Forteress, sa seule faiblesse, c'est le feu. J'ai pas d'attaque feu à part Canissos, qui ne sert strictement à rien vu qu'il est niveau 31. À ce niveau, avoir 12 niveaux d'écart, c'est quand même compliqué. Et là, on va faire un point glace, parce qu'il me semble qu'il a moins de défense spéciale que de défense... J'ai rien dit. Allez. J'ai rien eu, on va bourrer à coup de séisme. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux, c'est pas ouf. Maintenant, on a des picots sur notre terrain, donc à chaque fois qu'on va rentrer sur le terrain, on va prendre des dégâts. Le séisme qui termine Forteress. Ok, ça, c'est bon. On n'est pas niveau 49, c'est dommage. Nostanfer, il envoie déjà sa pièce maîtresse. Alors, c'est le moment de serrer les fesses. Pour le point éclair. Voilà, parce que Nostanfer, il a reflet. Le point éclair qui passe, est-ce que ça va le tuer en un coup ou pas? Pas du tout. On est à peu près mid-life. Le cruel qui passe, allez, il n'y a qu'un seul reflet qui a été lancé. On rate quand même. Et la guérison, alors qu'il est que mid-life. Point éclair qui passe là maintenant, évidemment, bah oui, bien entendu. La deuxième cruelle qui ne fait pas si mal que ça, 28 PV, le point clair qui passe, on bat le Nostanfer. Le niveau 49 pour Natkin, et encore, on n'est pas... encore sorti de ce combat avec Rotan Morph qui sent... enfin, il me semble qu'il a Lilipu. Nous, on a Séisme. Ah, pareil, on va serrer les fesses, on va marquer le cuir du siège. Et ça a marché parce qu'on tue le Rotom Morve en un seul coup. Et voilà, deuxième combat, c'est fait. Et on va passer les animations de combat sur On avant d'oublier. Tout simplement. Combattu toutes mes forces, mais il n'y a pas moyen, je suis pas assez fort. Va dans la prochaine salle, bonne chance. Allez, les bonnes options, animation de combat, oui. On en profite, on se soigne, le rappel sur Suicune. Hyper potion. Allez, allez, allez. On va pas oublier le poison de Gravalanche aussi. Ça serait dommage. Et voilà. Et là, on va rester avec Suicune, parce que là il me semble que maintenant c'est le tour de Aldo, qui n'est pas de type feu mais qui est de type combat. Je suis Aldo du conseil des 4, mon truc à moi c'est de m'entraîner comme un méga dingue, et c'est comme ça que je suis devenu si fort et beau. Oh, tu m'écoutes? T'as pas peur ou quoi? Très bien, quand on peut pas discuter on va se battre. Ok game, tu vas... quoi? Tu veux que j'arrête de parler? Ouais ta gueule, allez. On est un niveau au-dessus de Chuck, là, par contre. Alors, Capoeira, Capoeira, Capoeira... Alors,
On va faire dans ce puits, on va brûler les sorts, tout simplement. Parce que les Pokémon... D'accord. Bon, on va attendre un peu avant de brûler les sorts. Allez, le tunnel. Donc oui, j'allais dire, les Pokémon de combat, ils ont pas tant de défense spéciale que ça. En plus, il fait rien comme attaque. Allez, le surf, avec les animations de combat, c'est quand même plus joli. On perd du temps, donc bon, le tryhard, voilà, on perd un peu le côté... Tryhard, mais bon. Celui qui me rate l'attaque, évidemment. Pendant qu'il ne prend rien des tunnels de Capoeira, ça par contre c'est beau. Et Capoeira qui va tomber sur cette attaque sœur de Suicune. On a bien fait d'aller le chercher au final. Un Taignon, non, on va rester. Avec sa... sa superbe tenue de boxeur rose. C'est magnifique. Allez, quel dégât est-ce que ça va faire à Taignon, lui qui n'a pas une très très bonne défense spéciale. Ah si, quand même, plutôt. Un point éclair qui devrait pas trop faire mal, voilà. En raison de la mauvaise attaque spéciale de Taignon et de notre bonne défense spéciale, malgré l'efficacité de type. Tornade qui fait limite autant mal que Surf. Allez, Suicune, c'est pas grave. On va relancer une danse pluie. Taignon toujours plus rose. Ok, le point clair. Normalement, c'est fini pour Taignon, avec ce surf aussi. Et c'est le cas. 1260 points d'expérience, ça fait plaisir. Il va utiliser Kikli, on va rester avec Suicune, on va l'envoyer au casse-pipe. Il nous sera pas très utile, il me semble, j'espère. Il a quoi comme Pokémon après? Il a Maconeur, ça je le sais, en dernier, je ne sais plus. Kikli qui prend pas mal cher, qui nous balance un pied voltige qui va passer, qui va nous achever, en toute logique. Et c'est le moment d'envoyer Nedkin. La pluie qui tombe, on s'en fiche, on bourre le séisme. Et voilà. Encore 1200 points d'XP, il va passer niveau 50 Onyx, d'accord. Donc on va faire un point glace. Tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Et qui devrait le mettre KO sans aucun problème normalement. Et ça passe, et j'ai donné un coup d'accélérateur sans faire exprès, désolé. Alors Onyx il donne même pas 1000 points d'expérience, ça par contre c'est assez lamentable. Et là Maconeur qui va sortir les gros muscles. Les gros muscles. On va voir ce qu'on fait avec point glace. Voir niveau défense spéciale, même s'il n'y a pas de stab ou quoi. Bon, coup critique, on lui fait que ça, ça fait rien du tout. Par contre, coup croix, ça risque de faire mal, donc on va faire séisme tout de suite. Et séisme qui fait le KO, et bien troisième victoire dans le conseil des 4. Et presque le niveau 50. La porte qui s'ouvre, les Pokémon sont relativement bien. Au final, on a eu que deux combattants, dont un KO plutôt volontaire, mais au moins, je pense qu'on a gagné du temps du coup sur les derniers affrontements. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on va arriver sur... J'ai oublié son nom. Les Pokémon de Ténèbres, elles commencent avec Noctali, qui est vraiment très délicat à gérer à cause de son énorme défense. Donc ce qu'on va faire, c'est on va apprendre Dynamo Point à Gravalanche. Ouais. On va oublier Roulade.
Et une petite coupure esquivée grâce à la magie du montage et la pause de l'émulateur. Voilà, le temps est bon. Donc, notre Gravalan qui vient d'apprendre Dynamo Point. On va vérifier, j'espère que j'ai pas misclick. Voilà, il a Dynamo Point. C'est parti. Je suis Marion du Conseil des 4. C'est toi, Game ? C'est marrant. Moi, j'ai une Pokémon des ténèbres. Leur look noir et méchant est trop cool, est trop Kiku Dark, est trop Dark Sasuke 64. Oh là là. Bon, bref, on va casser du Pokémon ténèbres. Notamment du Noctalie. Noctalie, voilà, c'est mieux. Allez, on va s'ambiancer, on va monter un peu le son dans le casque là. Allez, on va essayer de se la jouer comme ça. On en profite. On montre que cette superbe CT est incroyable. Dynamo Point qui ne passe pas. Attention, on a 5 PP, c'est pas beaucoup. En plus avec du jet de sable qui rate, ça va. Deuxième Dynamo Point qui rate. Attention, à 30% de réussite. On a déjà un jet de sable, maintenant on a 2 jets de sable dans la tronche. Le troisième qui rate. Il nous reste 2 PP, ça va être drôle. Ok, on a un Dynamo Point qui passe, donc la confusion pour Noctalie, et en plus des dégâts qui vont être lamentables. On va tenter l'ampleur. Une ampleur 7 qui ne passe pas. Allez, on va voir si la dernière Dynamo Point passe ou pas. Confusion plus sentiment amoureux, Noctalie, tu es dans le caca. Allez, on va bourrer les ampleurs, tout simplement, juste à ce qu'on meure avec Gravalanche. Quoique, j'aurais peut-être pas dû. Il n'y a pas de son utilisé par Marion. Là, normalement, si l'ampleur passe... Elle ne passe pas. Noctalie qui n'est plus confus, mais il reste amoureux juste à ce que le combat se termine. Enfin, l'affrontement entre les deux se termine. Allez, 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 hop, c'est parti. Il n'y a pas de perdant, il n'y a que des gagnants. Une ampleur 8 qui ne passe pas toujours. Allez, on y croit. Eh ben, heureusement que j'ai une ampleur 7 qui passe. Est-ce que ça va suffire à le tuer ? La réponse est oui. Voilà, donc le gros tank qui est passé. Tu as été Rafflesia, bah écoute, c'est très bien pour toi, je suis heureux. Oui, je suis Kun pour l'onde boréale, même si tu plantes. Ça va être compliqué, mais on va bien voir ce que ça donne. Allez, l'onde boréale. Qui fait un bruit d'ultra laser, oh là là. Et c'est même pas du midlife. Hein. La parasport qui ne passe pas. Allez, on va balancer une tornade. Normalement, voilà, ça l'affaiblit assez. Il n'est pas dans le rouge, donc normalement, il n'y aura pas de... Ah, la parasport, par contre, qui passe. Dans ce fleur, ça va, il fait pas giga sensu. Je voulais pas qu'il récupère des PV. Ok, la paralysie. Non, hop, le Rafflesia qui est éliminé. Allez, 3 Pokémon sur les 5 de KO. Nous, on a encore notre équipe. Ectoplasma, là, on va changer 3 fois même. Pour Netkin qui va balancer un séisme. Parce que Ectoplasma à l'époque n'avait pas lévitation. Même si elle a toujours eu lévitation comme capacité spéciale, mais à l'époque il n'y avait pas de capacité spéciale, c'est magique. Donc là, séisme, Ectoplasma, est-ce qu'il va résister? Normalement, aucune chance. Il est très faible défensivement parlant. Et le niveau 50 pour Netkin.
Allez, 3 Pokémon sur le 5 d'éliminer, Corneb, on va garder Nedkin. Qui va nous faire un point éclair. Voir ce que ça donne sur Corneb, je connais mal les défenses de Corneb, je connais mieux Corboss. Ok, c'est bon, c'est fait. Hop, 1000 points d'expérience, c'est gratos, ça fait plaisir. Et en dernier, Demolost, qu'on va envoyer dans les enfers d'où est-ce qu'il vient. Avec un séisme. Et c'est le HKO parce que Demolos aussi a des défenses en mousse et 2000 points d'expérience, c'est beaucoup. Et hop, ça c'est fait, Pokémon puissant, Pokémon faible. Cette vision est faite pour les simples esprits. Les bons dresseurs gagnent avec leurs Pokémon favoris. Allez, blablabla, on s'en fiche. Le dernier combat approche. Oui! Et ben, Suicune aura été le seul qui aura pris des dégâts. Et un statut, accessoirement aussi. Et là, on va être parti pour le champion de la ligue. Attention, attention, maître des Pokémon Dragon depuis 1774. Voici, il est où? Voici, oh mon dieu, Peter! Je t'attendais. Game. Je savais que tu allais finir par arriver jusqu'ici. Bon, finis la parlotte. On va se battre, on va savoir qui a le plus de talent. Étant le plus puissant dresseur et maître de la ligue, moi, Peter, l'expert des dragons, j'accepte de t'affronter. Voilà, je voulais vous laisser la petite intro de la musique. Parce que quand même, il n'y a pas de respect et il y a encore moins de respect pour Léviator qui tombe après une point éclair seulement. Se prendre du x4, c'est pas très Charlie comme on dit dans le jargon. Pendant qu'il envoie son premier Dracolos qui bat longtemps des ailes et on va balancer un point glace qui va prendre aussi du x4 au-dessus. Est-ce qu'il va mourir? Ça par contre, je ne sais pas. Allez, on croise les doigts, Par contre, il rate son blizzard et ça, c'est bien. C'est le point éclair qui va finir Dracolos. Nice, le combat commence très bien. Niveau 51, on ne l'arrête plus. Le Nedkin, champion du monde, wouh! Allez, Peter avec son deuxième Dracolos, pardon. Il en a 3, j'allais dire juste après. Je me suis emmêlé dans mes phrases. Toujours niveau 47. Toujours point glace. Est-ce que cette fois, on va le tuer en un coup, sachant qu'on a pris un niveau? Et oui, c'est l'OHKO sur Dracolos. L'humiliation de Peter. Attention, Ptera. Est-ce que Ptera va changer la donne ou pas? On va bien voir. On va lui balancer un point éclair dans la face. Il fait pouvoir antique. On va pas se prendre grand-chose comme dégâts, en théorie. Voilà, rien du tout. Il n'a pas d'augmentation de stats. Et non, ça ne suffit pas. Mais heureusement, la vitesse s'est faite sur une égalité. Et on le dépasse pour cette fois. Et on l'achève. Encore 2000 points d'XP pour Nedkin. Qui va maintenant subir Dracofeu. Il nous reste 3 points éclairs, normalement, je... Bizarrement, ça aura peut-être pas été le combat le plus dur. Attention, la lance-flamme. La lance-flamme qui peut faire mal, qui peut brûler aussi. La lance-flamme qui fait de bons dégâts. Mais ce sera pas suffisant, et nous, on va achever Dracofeu. Et on va déjà se retrouver... On va déjà se retrouver au dernier Pokémon de Peter, donc pour ça, on va changer de Pokémon. On va aller sacrifier Canisos.
Hey Canisus, attaque, morsure. Et l'hyper potion sur Netkin. Cette humiliation pour Peter, j'ai envie de dire, on lui a pété la gueule. Rigolez s'il vous plaît, je me sens tellement seul. Avec Anissos qui se fait humilier, évidemment. On va tenter Meganium, je sais pas pourquoi, mais il m'inspire. On va voir s'il résiste à la colère. S'il résiste, franchement, chapeau. Et chapeau Meganium. Qui va comme ça lancer une protection. Et j'aurais pas dû faire trancher, je voulais faire poudre toxique en fait. Dracolos s'inflige des dégâts à lui-même, c'est parfait. Trancher, bon voilà, on va rien lui faire normalement. Voilà, 10,25€ en coup critique, ça ne fait rien du tout. Moi je voulais faire poudre toxique. La déflagration qui passe, donc Meganium, notre cher starter, au revoir. Tu auras été là depuis le début jusqu'à la fin. Même si sur la fin, t'auras pas été très utile. Mais on s'en fiche, parce qu'on a Netkin et son point de glace. Est-ce que ça va suffire à achever Dracolos alors qu'il lui reste plus des trois quarts de sa vie? Ah non, c'est fini, prof Shen! Vous êtes trop lent! Espèce de vieux schnock, bordel! Ah, Game, ça faisait bien longtemps. T'as changé ma parole. Ta victoire sur la Ligue est, ma foi, impressionnante. Ton amour et ton dévouement pour tes Pokémon en sont la cause. Tes Pokémon ont aussi fait du beau boulot. Ils ont reconnu en toi un être et un dresseur d'exception. Encore bravo! Faisons une interview du nouveau maître! Tout ça est trop bruyant pour moi. Game, suis-moi. Attendez, on n'a pas encore fait l'interview! Je suis pas venu ici depuis longtemps. Ceux qui consacrent les mecs de la Ligue, les maîtres de la Ligue pour enregistrer leurs courageux Pokémon sont aussi accueillis. Aujourd'hui, un nouveau maître a fait son apparition. Un maître aimant ses Pokémon plus que tout. Un dresseur persévérant et déterminé. Tu possèdes tous les atouts pour être le plus grand des maîtres. À part peut-être à cause de ton Canisos que t'as complètement abandonné dans ton équipe et que tu sacrifies pour pouvoir soigner tes autres Pokémon, mais ça c'est une autre histoire. Game, je vais inscrire ton nom et celui de tes amis. Et ben voilà, 17 épisodes pour arriver au bout de Pokémon Crystal, au bout de la Ligue du moins. Il y a 16 badges après, mais je pense pas qu'on va avoir l'occasion de les faire ensemble. Pendant que notre équipe défile avec la Meganium, notre starter, là où tout a commencé. C'était une course, cette aventure. J'ai essayé de pas trop tryhard. Même si parfois, bon, il fallait quand même donner parfois un bon coup d'accélérateur. 17 épisodes, je pense qu'on est effectivement en dessous des 10 heures de jeu, on va voir ça. Et 9h46 de temps de jeu sur le Hall of Fame. Et ben tout simplement. 9h46 donc pour boucler Pokémon version Crystal jusqu'à la Ligue. Donc on a les crédits. Oui, les crédits. Vite. Je veux savoir qui a fait le jeu. Et même reste plus qu'à remercier Ivasom Studio qui m'a permis de participer à cette course. Cette course pour regarder dans le rétro, hein, l'émission Retro Gaming et Beast to Fly accent anglais. Donc merci à eux d'avoir donné l'occasion de faire cette race qui m'aura fait parfois chauffer le cerveau. Comme j'ai dit, j'ai essayé d'éviter de tryhard, mais il y a des moments où bon, j'avais pas trop le choix.
À voir, suivant le temps de mes concurrents, Endo et Ores, sur respectivement Pokémon Argent et Pokémon Or. On va bien voir. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre aventure, sans doute je ne sais pas quoi du tout comme jeu. On verra bien, surprise, suspense, oh là là. Et en attendant, moi je vous dis, bah, portez-vous bien. Oh.